Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va jouer sur le petit compte, le compte qui a pour but d'être complètement free to play, donc évidemment gratuit de jouer. Le but c'est d'aller chercher l'Arc-X, de jouer le 2.9 et d'essayer de monter avec le ratio le plus correct, le plus sympa, et de voir jusqu'à quel point on peut monter et avec quel type de ratio on peut monter en étant purement free to play. Et c'est parti! Alors, on retrouve sur ce compte. Pour rappel, nous sommes à l'heure actuelle sur du 1352 trophées. Okay. On a 4 carafes à ouvrir, donc on va les ouvrir évidemment dans la vidéo. Okay. En termes de quêtes, on a gagné des combats, joué des cartes communes, joué des troupes. Ouais, ça devrait faire. Ça va être possible. En termes de deck, nous avons deux options. Soit c'est le deck sur lequel on a jusque-là progressé. Donc c'est celui-là, avec sorcière, prince, les petits squelettes, chasseurs, etc. Soit on a une autre version. Avec la TDE, parce qu'en fait, la Tesla, je l'aurai que très très tard. Elle est à plus de 3000 trophées. Désolé pour ça. Elle est à plus de 3000 trophées. Donc, est-ce que c'est réellement... Enfin, je veux dire, il faut bien la remplacer. Et donc, TDE, c'est le choix le plus correct. Et en plus, même à très haut level, si je monte la TDE, ça permettra d'aller chercher des match-ups que Tesla ne va pas chercher. Donc, si par exemple, je vois que la méta est trop beatdown... trop golem, molosse, etc. Ça peut être intéressant, dans tous les cas, de jouer la T2 comme une carte tech. Donc c'est important de la monter. Donc jusque là, ok, on est plus ou moins d'accord. Là, on a une version T2 et on a une version prince de l'autre côté. J'aurais tendance à dire qu'on va tester un petit peu celle-là, juste voir ce que ça donne, et pour le fun, et c'est parti. Juste regarder qu'il n'y a pas des cartes à donner, et ben voilà, on peut donner une usap. Parfait. C'est parti. Alors, bonne chance à toi, Road to Pro. Ouh, Road to Pro, il y a moyen que ce soit un gros joueur. Hein. Alors, on va déjà mettre la TDE. On va attendre de voir ce qu'il fait d'autre. Là, j'avais pas envie de me prendre de dégâts, j'avais pas d'autres réponses. C'est ok. Road to Pro, franchement, je pense qu'on tombe sur quelqu'un qui est sur le même concept que nous. Ça va être vraiment cool. Ça va être bien tryhard comme il faut. Alors, des petits niveaux de cartes en plus, clairement, c'est un gros joueur. Ça va vraiment être cool. C'est pareil, je lui offre une BDF, mais pff, on fiche. Je vais pas vous mentir. Parfait, il a cliqué son fût. Parfait. Comment tu lèves ça, BDF? Eh oui, eh oui. Ah, ah t'es obligé. Et du coup, je vais être une sorcière, ça va t'embêter, ça. Alors, Road to Pro, donc il a la Valkyrie. Très bien, donc ça c'est une bonne réponse de sa part. Je vais pas mettre le chevalier devant, franchement ça serait un peu overcommit. On va retirer un chevalier tranquillement. Donc il joue fuite barbare, boule de feu, hein, comme nous, jusque là. Il se défend bien. Ah par contre là ça va être une opportunité pour nous. Parce que sa Valkyrie elle va clairement tomber chez nous. Je vais défendre juste avec les squelettes son Vox, il en va. Ok. Ok, il joue également TDE. Ah. Il joue TDE, donc il a son cochon en main. Ouh là là, il va derdef ça. C'est lui coûté cher. Je vais forcer un peu du coup. On garde toujours la TDE hein, pour son cochon au cas où. Ok. Boule de feu. Ah, il l'a bien. Il arrive pas à le fuir, pardon. Ah, ok, on est reparti. Sorcière fond de map. Il va Valkyrie. S'il fait une des archères fond de map, il se prend une boule de feu instant. Ouh, ça coûte cher. Ouh, ça coûte très cher. On garde toujours la TDU pour son cochon, évidemment. Ah, ok, on a un gobelin qui survit. Parfait, ça gratte à mort. Ça gratte pire qu'à mort. Et voilà! Mais très bien! Mais ça se passe bien! Et ben voilà, Road to Pro!
Bon, il avait des petits niveaux de cartes, mais évidemment, du coup, c'était quelqu'un qui fait le même type de concept que nous. Donc, enfin, même type, je pense pas qu'il cherche l'Arc-X particulièrement, mais en tout cas, voilà. Et c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Ah merde! J'ai oublié de débloquer les coffres, j'ai un site direct. Mais quelle erreur! Bon, vous aurez une partie en rab, du coup, hein, c'est pas grave. Alors, chevalier, ah, pas mal, du chevalier, du cochon. Zap, chevalier. Pas mal de chevalier déjà, hein, ça fait plaisir. Alors maintenant, le coffre en or. Évidemment, on fait des archères et de la boule de feu. Oui, 5 archères. La Valkyrie, ouais, non, ça. Ça autant dire que. Alors, au niveau du pass, on a bientôt le coffre à couronne. Il nous manque un. Un pour le coffre à couronne, ce qui est pas mal. On vérifie. Ah, on peut donner la cabane. 50 d'or. 50 d'or et de l'XP surtout. Ça, c'est vraiment bon. Et bon, on est parti. On va refaire vraiment nos coffres cette fois-ci. Hein. On va faire attention à les faire. Bon, après, on aura les quêtes aussi, ça va être cool. Alors, Shark King de Utakuz. Très bien. Alors, on a le chevalier archer. Bah, simplement les archères. Ouh là là! C'est quoi ça? Mais quel fou! Allez, tu vas chercher. Non, non, pas des cartes légendaires déjà! Mais non, mon ami! Ah non! On avait dit le respect! Mais t'es sérieux là, à forcer comme ça? T'as peur de rien. Hein. Vas-y, je vais forcer aussi, je vais voir de quel bois tu te chauffes. Ah bah oui, non mais oui, hein. Jeu de farceur, voilà. Hein. Je veux dire, nous aussi on peut forcer hein, s'il s'agit que de ça. Ok. Alors, désormais, que va-t-on faire? Que va-t-on faire? On va attendre. Pas grand-chose de spécial. En plus, on a T2, donc on devrait réussir à bien temporiser ses pushs. Je pense qu'il va ressortir fond de map, on va mettre chevalier fond de map. Ah non, 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 il joue pas comme nous, lui. Alors, c'est parti. Donc là, elle a pris le focus, donc je peux lui mettre des petits... Ah voilà, parfait, il force au prince, nickel. Le prince va évidemment tomber sous les coups de la gentille sorcière. Oh, il y a les petits squelettes encore. Ah, j'ai fait ça, mais j'avais pas besoin. Non, erreur, erreur de ma part. Alors, il a sa Valkyrie. Il fait ça, d'accord. Bah, s'il veut, hein, s'il veut, pas de soucis. Ok, juste histoire de mettre une petite pression légère et voir qu'est-ce qui se passe. Hein. Alors, la tour du roi, elle a commencé à prendre l'aggro des gobelins, donc évidemment, ils feront pas beaucoup plus mal que ça. On a un peu gratté à droite, on a un peu gratté à gauche. Les mineurs, on va dev juste avec les squelettes. Il va nous mettre des bons dégâts, évidemment, le mineur est niveau 9. Hein. Fallait déconner. Oh, ok, 1024 sur le bâtiment principal, c'est pas mal. On peut risquer une... Ah non, j'aurais jamais dû faire ça. Hein. Bon, tant pis. On va faire comme ça. Ça va def. Ça va def, tranquille. En gros, il va nous mettre des dégâts ici, hein. C'est pas très cool. Donc. Ok. Il force, hein. lui, il sait ce que ça veut dire forcer. Hein. Bon, bah, c'est pareil, tout ça va tomber là. Bon, écoutez, c'est parti. Hein. Je vais laisser le bâtiment et je vais aller prendre là-bas, moi. Encore que, non. Non, en fait, non. En fait, non. On va juste défendre quand même. Et on va se faire. Oh là là, tout ce qu'on a sur le terrain. C'est ouf. C'est complètement dingue. Ah, on a une carte, une quête qui est finie en plus. Parfait. Eh, on se rapproche du méga coffre au foudre. Hein. Alors, esprit de feu. Wouh! Pas mal. Je vous ai dit en plus, hein, on les mettra à la place de l'esprit de glace au début. Et dans tous les cas, c'est pareil, c'est une carte tech qui est sympa à avoir en Arc-X. Ça va chercher d'autres match-up, donc c'est intéressant. Ok, oh, du petit coffre. On aimerait bien bah, de la sorcière du coup en épique, parce que de toute façon, on va rien monter d'autre. Et la sorcière. Oh, 4 boules de feu, pas mal. Enfin! Enfin, la vérité revient. Attends, non, ça par contre. Pour vous dire que, à part potentiellement les données, mais jamais personne ne demandera des tornades, ça ne servira pas à grand chose. Alors, on a notre pack, notre passe. Ouais. De la boule de feu, les amis! Non, ce n'est pas de la boule de feu, non. Non. C'est, ça se tentait, mais l'invocation n'a pas marché, malheureusement. Ok, Guanyangyangzi. Bonne chance à toi. Alors, on a la T2, on a de quoi def. On a de quoi def, on va voir ce qu'il décide de faire, évidemment. Ok.
Ok, bon courage. YOLO, YOLO, YOLO. C'est parti. Ça, c'est le push habituel, hein. C'est le petit push, le petit contre-push de début de partie. Ça fait tellement mal, bordel. Les squelettes, ils font trop mal. C'est ouf. Ah, il y a la petite archère qui survit, hein, qui va les sniper tout ça, là. Elle a raison. Non, on se laisse pas abattre. Ok. Bon, vu que j'ai un bon avantage en XR, je vais re-chevalier fond de map, mais en théorie, j'aurais rien fait. Ok, parfait. On va faire du sorcière contre sorcière. Ça va être un combat épique. Épique des papes. Épique des papes. Non, tape plutôt les squelettes, toi. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ok. Alors, on a le fût. On a le fût, là, ça pue de flèches. Bah voilà, parfait. C'est très très bien ça. Bon, on va s'attaquer au roi du coup. Hein. C'est parti. Chevalier va aller sur la tour de droite, mais c'est exprès pour faire du speed, de la diversion. Ok. Mais c'est quoi ces dégâts? What the fuck? Ils sont juste insane, quoi, les dégâts. What the fuck? Mais d'où on met autant, quoi? D'où on met autant? Oh, coffre géant! Ah, ça fait plaisir. Ah, il y aura peut-être des arches, il y aura peut-être des bonnes communes dedans. À tout moment, il y aura des communes qu'on veut, quoi. Ouf. Allez. Deux coffres. Niveau 5, il y a moyen qu'il soit chaud, lui. Hein. Petit niveau 5, là. Il y a moyen qu'il soit bouillant, hein, le mec. Ça va être cool. Ça va être cool, cool, cool. Okay. Ah, s'il est chaud, il va faire un... Ok. Ça, non, je sais pas, je m'attendais pas à ça. Je vais pas vous mentir. Ah, j'ai mal joué. Oh, j'ai très mal joué. Non, j'ai pas très mal joué, c'est faux. Mais j'aurais pu mieux jouer. Là est la vérité. Là, il va bluffer mes troupes ou il va les valkyrier. Mais dans tous les cas, il pourra pas def ça et le fût. Enfin, c'est l'attaque de base. Hein. Vous la connaissez maintenant. Voilà, il met la plus de flèches. Mais du coup, il est obligé d'accepter de plus ou moins prendre le tarif sur sa tour. Allez, vous survivez. Tu survis, tout le monde survit. On est content. Et voilà, la sorcière. Très très bonne carte, la sorcière. Prends la tour, non? Non? Ouais, ça serait bien. Ouais, parfait. Bah, vous allez tomber tout seul. Ah, il est pas content. Je vais faire comme lui alors. Je sais pas, je sais pas. Mais pleurer, voilà, pleurer. Alors. Ok. Je sais pas, j'avais pas envie de mettre plus là. Ok, il met la mini Pékin, c'est parti. Alors, ça va être défait avec la sorcière. Parfait, on va pouvoir envoyer un contre-push. Ouais, il a cliqué un peu plus que nous. Bon, après. Peut-être pas suffisamment pour faire un truc de malade, mais on va faire une petite agression à droite sur la tour de droite. Tiens, ça changera un peu des habitudes. Je sais pas si j'aurais faire ça enfin, mais c'est pas grave. On gratte un peu, on gratte 300 dégâts. Bon, pas tant que ça. Hein. Bon, après, là, ça va def à droite. Ça va clairement def à droite, hein, du coup. J'ai mis un peu tardivement, mais c'est pas très grave. Ça va def bien. Tac, tac, tac. Et gauche aussi. Alors, on a mis des bons dégâts. On a mis des bons dégâts. Ça aurait pu être mieux, mais ça. Et voilà, contre-attaquons! Ah merde, les mythos. Non! Il y a le roi qui va défendre et tout! Oh, il plie de flèche, c'est bon, parfait. Faut qu'on dirait qu'on essaye d'outcycle tout ça, hein. Ça serait pas mal. Alors là, on va redef. Je suis un peu en train de spammer, hein. Je devrais pas autant, mais. On va s'arrêter là, après on va redef. Allez! Oh oui, 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 ça gratte là! C'est bien ça! C'est ça qu'on veut! Ok, 18 secondes pour essayer de finir son bâtiment là. C'est jouable. Lève ça. Envoyez ça. Non! 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 Chagrin, chagrin, tristesse et damnation. Ah, on l'a pas eu. On l'a pas eu. Bon alors, il nous reste quoi? Il nous reste commune, troupe. Ouh. Fournaise. Ah bah on utilisera ni l'un ni l'autre, nous, hein, c'est simple. Bon, on va prendre fournaise du coup, mais. Clairement, on ne jouera ni l'un ni l'autre. Allez, on est reparti. Niveau 7. Ouf. Ah, il est chaud lui. Lui, il est balèze en level. Hein. Ok, donc on a les archers. Chute gobelin. Alors.
Ah non, il a pris l'aggro, non! Non! On refuse, on est contre! Ok, boule de feu? Oh bah. Il a plus de flèches? Est-ce qu'il a une flèche ou un fil barbare? Normalement, il a, mais bon. Ok, il met ça. C'est pas mal, ça def bien chez lui, c'est bien joué. Bien joué. Bah, par contre, on a quand même quelques dégâts là. Refil des squelettes pour moi? Ouais, c'est ça qu'on veut. Ok. Ah, faut répondre. Comme ça? Ok. Trêve de plaisanterie. On va faire ça. Cette fois, je sais pas quoi faire ici. Donc, je recycle pour recycler. Ok, ça lâche le super en face. Je vais attendre de voir ce qu'il joue quand même. Il a rush kit ou pas? Allez, c'est parti, on tente. On part nous-mêmes en pêche. Eh ben non, il avait pas rush kit! Erreur, on aurait pas dû envoyer notre carte. Erreur. Erreur dramatique. Là, il va jouer son Bubble Rhyme. Il a plus de boule de feu. Hein. Je tiens à vous le rappeler. On va forcer comme des grands malades. Je vais te faire ça. Bon, c'est troll, hein. Du coup, il nous punit avec le prince. C'est pas grave. Troller de temps en temps, ça fait du bien. Alors. On met quand même des bons dégâts. Faudrait, je dis c'est troll, mais. On a quand même eu 1000 rois à 425. Hein. Mine de rien. Ah, oh, le touche pas plus. Non! Non! Tue le roi! Je veux le roi! Donnez-moi le cœur de ce roi. 22 secondes. Ah. On doit aller vite. Hein. Ok, je vais le laisser connecter. Attends, c'est ça comme ça. Allez, on a le roi! On a le roi! On l'a! Wouh! On l'a eu! On l'a eu, les amis! C'était ça qu'on voulait. Roi qui pleure, d'accord, roi qui pleure. Alors. Bah pas mal, hein, mais pas mal du tout. On a 1000 d'or en plus, parfait. On a une petite quête. Jouer commune, bim, des gemmes. Alors on a combien? On a 268 gemmes. Alors, on a bientôt ça, c'est pas mal. Ouh, le prochain passe royal est proche. Alors, la prochaine arène, ça sera... L'Arkix, évidemment, 1600. Il ne reste plus que 100 trophées. Ça a été le gros rush sur cet épisode. Ça fait super plaisir. J'espère évidemment que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite une excellente journée.